ouvrir ce centre de formation pour pouvoir tenir les enfants, d'éviter les enfants passés par le clandestin, pour voyage des clandestins. Donc ça, c'est la première chose de ce projet. Donc aujourd'hui, les gens sont là, nous sommes à peu près 58 gauches sont ici dans ce centre. Et l'objectif, c'est de tenir les jeunes, de les montrer dans la vie, il y a l'espérance. Et donc, pour chercher la vie, ce n'est pas pour aller faire perdre ta vie à quelque part. Le valeur de football, d'abord, ça ramène l'union, l'unité dans le pays. Ça amène qu'il y a la solidarité. Le football, c'est une solidarité. Je rappelle la solidarité et la fraternité. Et ça ramène, c'est le sauge que les gens pratiquent aujourd'hui, qui amène le public, qui amène le monde. Et je me suis rappelé, il y a un coach qui m'avait dit que le pays qui pratique plus le football, c'est un pays qui est béni, qui a la richesse, qui a aussi la paix. Donc dans le pays qui pratique plus le football, il n'y a pas la guerre, parce que le football, ça amène la paix. Donc c'est ça notre objectif. Et je remercie aussi l'OIM, Nations Unies, qui nous a aidés pour pouvoir ouvrir ce centre de formation Maranatha.